Monaco qui prépare le possible départ de Mbappé, beau vu dans le viseur de l'OM, ou encore Aurier qui se rapproche de Tottenham. Voici le journal des transferts du 22 août. Et on commence avec la présentation de Blaise Matuidi à la Juventus Turin. Le joueur qui s'est engagé pour 3 ans dans le club italien après 6 saisons à Paris s'est dit honoré d'avoir rejoint la vieille dame. Il y a beaucoup de grands joueurs qui ont évolué sous ses couleurs et pour moi c'est un honneur d'aujourd'hui de faire partie de la famille de la Juve et je suis vraiment très heureux. Monaco pourrait bien perdre Kylian Mbappé cet été et prépare sa possible succession. Selon la Gazzetta dello Sport, le club de la Principauté aurait en tête d'attirer l'attaquant du Torino, Andrea Belotti, qui a inscrit 26 buts en championnat l'an dernier. L'international italien disposerait d'une clause libératoire de 100 millions d'euros. Après les départs de Blaise Matuidi à la Juve et de Ressé à Stoke, Paris pourrait continuer son opération dégraissage avec le départ de Serge Aurier. Selon l'équipe, le PSG Tottenham serait proche d'un accord supérieur à 25 millions d'euros pour le transfert du joueur. Désireux de remplacer Kyle Walker, parti à Manchester City, les Spurs doivent par ailleurs régler les problèmes juridiques du joueur, interdit de se rendre en Grande-Bretagne. Enfin, Claudio Beauvu pourrait bien faire son retour en France. En difficulté au Celta Vigo, le joueur serait dans le viseur de l'OM et de Rennes selon France Football. Les deux clubs français aimeraient le récupérer sous forme de prêt. Plusieurs clubs espagnols et anglais seraient également intéressés.